Johnny. Salutations, petit capitaine et grands amiraux, ici Starkad, votre hôte. Nous nous retrouvons pour une bataille du premier de la classe. Cette fois, c'est moi qui suis en vedette. Alors, j'avais pris l'Alsace juste pour le plaisir de jouer l'Alsace. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à faire un premier de la classe. Et nous avons commandant Falco est avec moi en Kitakaze, qui est un très bon petit contre-torpilleur japonais de rang 9. Alors, nous sommes en rang 9. Que rang 9? Ah oui, tout le monde est en rang 9. Il n'y a pas de. Rien. Pas de porte-avions, ce qui est un plaisir. Iowa, Lion, Musashi, Soviet Soyuz en face, Alaska B, Neptune, 2 runes pour les croiseurs et 4 destroyers. Ah oui, ça c'est. J'ai entendu Falco qui disait 4 destroyers de chaque côté. Benham, Yugumo, Yugumo, Udaloy. Alors les deux Yugumo peuvent être de gros problèmes parce que, ben tant pis quoi. Et chez nous, nous avons 2 Iowa, 1 Lion, moi, 2 Alaska B, 1 Brindisi, un Ibuki, et dans les destroyers, Benham, 2 Kitakaze, un Shugumo. Alors c'est marrant parce qu'il y a 2 Yugumo des torpilleurs et 2 Kitakaze des contre-torpilleurs. Comme quoi, c'est bien fait quand même la vie. On va aller sur B peut-être. Il y a un mec qui lui dit les vaisseaux français, n'oubliez pas, hein, vous avez possibilité d'aller en avant aussi. Hein. Et quelqu'un dit vraiment, et moi je fais non, vraiment, c'est vrai, incroyable, no kidding, c'est sous ma gueule. Alors je tire à 23.5 avec mon Alaska, mon Alsace, pardon, excusez-moi, et j'adore sa vitesse, son boost de vitesse, c'est du pain béni quoi. Alaska, je l'adore, je crois que c'est un mécure assez préféré en rang 9, hein, je parle, hein, attention. Iowa et Missouri passent après. Je joue beaucoup plus mon Alsace. Pourquoi j'ai Alaska à chaque fois? Je lis pas du tout. Je joue mon Alsace bien plus souvent que mon Iowa et mon Missouri. Frédéric Grosseux, c'est même pas la peine d'y penser. Frédéric Grosseux d'ailleurs. L'Izumo, c'est vrai que j'ai pas joué l'Izumo depuis, mais alors une éternité. Je peux tirer quand je veux, sauf que j'ai pas de cible. Ludaloy, bah pourquoi pas. Alors j'ai mes secondaires qui devraient commencer à taper là normalement. Voilà. Rune. Là je tourne pour me mettre en visuel. Parce qu'il y a pas mal de cibles là-bas, on peut mettre en visuel. 6300 sur le rune, c'est toujours ça de gagner. On tire dessus moi, c'est sur moi qu'on tire, là il tire sur moi. Le Kitakaze sort de la base, enfin, en tout cas il se met bien en repli quand même. Qu'il fasse gaffe à qui est dans la base, il est pas aussi bien caché que les Yugumo. Il m'a dit fais gaffe aux Yugumo quand même, ouais je fais attention. Et un lion qui est plus ou moins, moi j'essaie de faire des tirs d'opportunité comme ça parce que... J'étais bien endommagé là, je trouve. Hein. Ouais, torpille. Ah, il tirait sur moi d'ailleurs. Sur moi ou sur le Kitakaze? Mais sur moi, je pense. Et comme il a visé ben, devant moi, voilà, ça se prend les montagnes. Et merde. Un petit peu de dégâts quand même, peut-être. Pas sûr. Si, quand même. Ah, 2380, c'est pas minable. On a le rune là-bas. Je vais tirer tout ce qui bouge hein, là-bas de côté. Hein. Wow. Ça disparaît, c'est énervant quoi. C'est Kitakaze de Falco qui s'est mis sous. Il a raison, hein, il se focalisait sinon. Et il reprend B. Il reprend B au nez à la barbe de son ennemi quand même. Hein. Ludaloy a été détruit sur C. Ce qui est une bonne chose. Il n'avait pas tiré dessus d'abord. Ah, mais c'est énervant ces navires qui apparaissent et qui disparaissent tout le temps quoi. Lion, c'est bon. Tu peux tirer sur toi maintenant? Eh ben dis donc. Soviet Soyuz aussi. Bien, ils sont tous de flanc là-bas. Hein. Et on a Yugumo qui se laisse bien voir. 6300 encore. J'essaye. Hein. Bah, laisse mes secondaires faire le boulot. Hein.
Pas trop le choix. Notre Shumu est détruit par la Yoa. Damn. Brindisi détruit Hugo, mon ennemi. C'est bien, c'est bien. Les trois ennemis doivent être détruits le plus vite possible. Neptune, ouais, il tourne, va tourner ou pas? Va tourner. Ouais, il tourne. Donc je peux l'accueillir. On va voir si ça va faire des dégâts. Je sais pas. Et comme il est en train de tourner, j'ai à peu près bien anticipé. Non, c'était pas terrible. 2380. Et maintenant il va se méfier évidemment. Le Yugumo là-bas est en train de se prendre très cher aussi. Les destroyers ont pris très cher là, hein, d'un coup. Hein. C'est les Soyuz à 19-3. Qu'est-ce qui est plus intéressant à frapper? Le Soyuz ou... Oui, on y va, du calme. Je vais refaire un petit peu de camping. Non mais oh. Brindisi détruit Yugumo, la Iowa détruit l'autre Iowa. Eh bah dis donc. 5300 sur le Soviet Soyuz. J'attends parce que j'ai la possibilité de tirer à longue distance, moi, alors de sniper, donc autant le faire. Hein. Soviet Soyuz s'appelle Spitfire ou Sergent Hellfire? Sergent Hellfire, ok. Bon, il est un peu trop loin. Enfin, il est pas trop loin, mais. Est-ce que ça va être intéressant de tirer sur lui? Ah, j'ai tiré. Ah, d'accord, j'ai tiré. Ok. Bah, écoute, sans le réticule. Ou alors, c'est le replay qui est pas bien foutu pour ça, mais. Bah, quand même, 5117, c'est pas rien. Allez, on avance. On va avancer pour aller affronter là-bas. C'est parti. Sachant que, regardez, il y a tout un groupe qui était sur C qui part sur le. Qui va faire un. Un enveloppement en fait. Il va tirer sur tous les navires qui sont au côté. Qui sont de dos en fait. La joue prudente là, vraiment, c'est un peu bizarre de ma part, mais. 2300, voilà, c'est pour ça que joue prudente, c'est pas terrible. Surtout que j'ai des secondaires qui tirent à 11-5 ou 11-3, donc. Faut y aller, mon gars. Allez, Starcade, allez. Allez, fais un petit coup de fouet là. Regarde, 3 à 3 là. Oui, bah oui, en plus, on est en train de me signaler là. Faut avancer, mon gars. Bah, je vais avancer. J'ai des cibles. On va plus savoir qu'en faire. Et où est le réticule? Il est disparu ou quoi? Ah, c'est ça, tire-moi dessus en plus, les bookies là. Petit con. Ah, bah voilà, bon, bah, ok, bah. 3 citadelles, un détruit sur. Sur les Dimbourg, pas Dimbourg, le Neptune. Et j'ai dit sorry. M'attendais pas du tout à le détruire, je m'attendais à lui faire l'endommager un petit peu, mais le détruire non. Rune. La concentration et la précision des canons d'Alsace, c'est pas mal. Alors je suis pas entré là parce que je serais fait focaliser immédiatement. Hein. Une citadelle, 16 000 points. Bah, c'est un Neptune, hein. Allez, alors. Bah, je suis désolé de détruire quelqu'un du premier coup, quoi. Dans une bataille, c'est. J'ai dit, j'étais très loin, c'était un coup chanceux. J'avais bien visé, mais c'est quand même un coup chanceux d'avoir comme ça. Ouh, le Soyuz. 94 000 points de dégâts, un navire coulé. Avec un peu de chance, je peux lui faire très mal, voire le couler, mais il faut beaucoup de chance quand même pour le couler. 11 000 points. Voilà, là, je suis intervenu quand même. Je suis pas resté en arrière, donc je viens à la rencontre des navires là. Je suis au contact là, je vais te focaliser là. Regardez. Et je le vois, je fais oula. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je reste là, je suis mort. Alors je mets la vitesse à fond et je tourne. Ciao. Je vais faire du kite maintenant. Citadelle sur le Lion. Alors c'est de la pure chance là par contre. Et hop. Ah oui, on avait perdu. On avait perdu. Oula. Oula, le Wuzashi il fait pas de cadeau là. On avait perdu le Discord. Je sais pas pourquoi. J'arrivais pas à me connecter sur Discord. Donc il dit fais gaffe au Benham. C'est ce que je fais gaffe au Benham. Et il y a un Rune là-bas, donc le Rune on va essayer de terminer. Surtout. Oh, attention, attention. Non, je ne pas. Là, SKB là-bas aussi.
Donc là je fais demi-tour. Alors là mais tous mes secondaires arrière tirs, ça j'adore. Et non le lion, c'est raté. 121 000 points de dégâts quand même. Ayo a détruit le rune. Le Musashi. Je vais essayer de faire un petit adèle, mais c'est, à mon avis c'est pas gagné. Ah si, voilà. Ah 15 000 juste dans la joue là. Vous avez vu? La boule est arrivée juste dans la petite joue là. Petite joue de citadelle. On est à 6 à 4 dans notre faveur. On a 818 points sur, 10, sur 229. Ouais, bon. L'ennemi est concentré donc faut faire gaffe quand même. Ils peuvent concentrer les tirs. C'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, je pense. Et la musique est excellente, je trouve. Deux citadelles sur le Lion, 23 000 points. Non mais ouais, voilà, je le détruis. Allez, on en est à deux navires détruits, 165 000 points de dégâts. J'adore l'Alsace, hein. L'Alsace il a un taux de résistance. Si on le joue bien avec sa vitesse et on le joue en kite, on approche, on fait des, en fait avec l'Alsace ce que je fais des raids. J'attaque, je recule, j'attaque, je recule. Oula, le Musashi là, ses canons tout à fait en l'air là, c'est bizarre. J'aurais dû attendre qu'il soit un peu plus de flanc, mais on sait jamais. 3928, tiens, pan. 3927, soutien. Le secondaire, ça en a qu'un joie sur lui. On a 877, 880. Les secondaires sont mes amis. Et là, j'avance à une vitesse phénoménale pour moi. Enfin. La vitesse de l'Alsace c'est incroyable quoi, c'est de la folie furieuse. Alors normalement le Musashi pourrait détruire le Brindisi. Falco quant à lui s'amuse un petit peu aussi. Je vais arriver à distance de tir du Musashi mais je pense qu'il va être détruit par les torpilles avant. Je suis pas sûr hein. Alors par contre les trois navires qui sont là-bas sur le niveau de la ligne 1, ils servent à rien en fait. Askab est détruit par le Benham. Ouais quand même hein. Quand même. 6 à 5 pour... non pas plus que ça. 7 à 6 pour nous. Le Musashi est là. Attention, il va être détruit ou pas par les torpilles? Ouais. Le Dizzy l'a détruit. 514 000 points de dégâts. On a 942, on a gagné. Voilà. Madame a détruit Katakaze. 2 Valente. 69-17. Oula. C'est chaud là. Le Madame est un bon. Très bon, le Benham en face. 3 navires à son actif. Et j'ai dit, ne poussez pas trop, on gagne. Si vous poussez trop, vous êtes détruit par le Benham. Oh, le Benham, justement. Bon, on a 133, normalement, c'est bon. Et qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent rien là-bas, les mecs, derrière. On prend A. On a les points. Le lion est en... Ah, le lion, le erreur, il est quand même mal. S'il se fait détruire, on peut redescendre en points. L'ASKB est en train de... Ouh, oui, je sens les points vont redescendre. Non, c'est bon. Non, c'est bon, tiens. On a gagné, voilà. C'était donc ma bataille en Alsace. Et un navire que j'affectionne tout particulièrement. Donc, merci d'avoir regardé. Et puis, on regarde les panels de fin ensemble. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de World of Warships ou d'autres choses. Ciao, petit capitaine et grands amiraux.
お前はもう死んでいる。何？